Paf. Let's go pour un peu d'Elden Ring pendant 2 heures. C'est pas vrai. Mais c'est le début ça. Oh, j'ai fait un raccourci, trop bien. Incroyable. Ouais, c'est vraiment le tout début. C'est génial quand même. Hein. Très intéressant de utiliser le moindre espace. C'est qu'il est. Oh, trop court. Ok. Et pas facile celui-là. Bâton d'éclat d'azur. Tout ça pour ça? Non.
tout cas, c'est beau, mais c'était juste pour un item, ça. Et juste pour avoir un item, hein, d'accord. Ouais, puis va te repérer avec la carte aussi. Bon, du coup, c'est pas par là-bas. Par où est le chemin? Qu'est-ce que j'aurais loupé? On l'a ici. Alors j'ai regardé des gens jouer au jeu en me disant ouais, ils sont moins avancés que moi, du coup je vais rater. J'ai pas me spoil, mais. Mais voilà, finalement non. Parce que j'ai raté les deux zones. Faut vraiment penser à aller au moindre coin, à partir du moment où tu peux sauter sur une rambarde ou autre. C'est tu peux potentiellement accéder à de nouvelles zones. Invisible. Un bâton d'éclat, incroyable. Et la rune dorée, je commence à avoir beaucoup de runes dorées, enfin peut-être que je les utilise un jour. Juste là, ok, journée. Après, qu'est-ce que j'aurais pu louper dans cette zone en plus? Là, je crois qu'on peut aller aussi sur le pont. Par contre, je sais pas du tout si on peut aller loin. On va aller voir l'espèce de pont qui est là-bas.
Alors oui, le pont. Ce pont là d'ailleurs, dans ce point là où je sais pas c'est des s'il y a du loot. Plutôt des marches. Attendez, on n'est pas censé avoir un. Ah c'est le truc qui roule là, il arrive. Non. Ah, ça rappelle à Norlondo tout ça. Alors c'est quoi le rythme de passage là? Est-ce qu'on peut potentiellement esquiver les boules? Oh ça me paraît. Parce que là si je vais récupérer le... J'ai de récupérer ce qu'il y a là. Ouais non on peut pas. Croix. Oh. Ah c'est un sort qui lance. Oh il y a un mec qui a réussi à passer. Incroyable. Ah elle rebondit de côté. Ah ok je vois. Non, je pense voir. Tout ce qui est la boule. Allez, go, on va tester. Ok, test numéro 1. Prévoir les. Ok, c'est bon. Ok, plus simple que je le pensais. Bon, après, faut. Oh, oh one shot pas, incroyable. Prévision de rebond, c'est pas ça encore. Je tanque avec le front. Ça passe. Ok, c'est passé. Un peu de ce côté. Oh, derrière, j'aurais cru que c'était un. Oh, un TP, tiens. Intéressant. Je vais voir d'abord s'il n'y avait pas une petite grâce là, évanouie là. Bon. Oh. Non, oublie-moi s'il te plaît. Juste regarder ce qu'il y a. Ouais, oh, d'accord, ok. Oh, tout ça pour tomber sur un. sur un gros Billy. En tout cas, il est stylé. Je veux son armure. Ok, donc mission, esquiver les boules. Et casser la tête au gars là. Si on peut, parce qu'il a l'air de faire mal. Ah oui, j'avais 5000 âmes aussi. Ouf. Qu'est-ce que 5000 âmes? Ok, c'est bon. N'a pas le droit ou tu n'as pas le droit? Oui. Alors, Mougrum, chevalier de Caria. Incroyable. Enfin, oh. Oh, on dirait. Oh, il a. Il a les mêmes coups qu'un joueur, c'est trop bien, incroyable. Ah, il fait des coups. Oh putain! Alors, comment. Je crois pas qu'il est à mon niveau. Attendez, nous sommes level. Nous sommes level 48. Après, j'ai que 722 de PV.
oui, ça paraît très compliqué, mais moi ce qui m'intéresse plutôt c'est le... C'est cette porte là, j'aimerais bien avoir là... Petit raccourci... Ouais non, parce que lui... Oula, qu'est-ce que j'ai des verres? Attendez. On va le jouer full contre, hein. Comme ça, là. Voilà. On va le jouer que comme ça, hein. On va l'utiliser comme ça, parce que... Avec ses... Oh! Les petits cons, là. Mais son âme elle fait des dégâts magiques, j'imagine. Parce que je prends des dommages aussi. Ah, je compte pas tout. Oh. Ok, bon, il est easy. Quand tu joues contre. Bouclier de chevalier de Caria. Incroyable. J'ai pas eu son armure, je suis dégoûté. Elle était stylée. Alors, son bouclier. Oui, il bloque plus de magie, je passe de 55 à 58. C'est anecdotique. Moi je gagne en puissance d'attaque avec un bouclier incroyable. Un saut sur une cendre, j'imagine. Ok, let's go, c'est bon. Ça donne envie de descendre, hein. Mira. Voilà, il y a masse message. Essayez de faire croire. Mais rien du tout. On sait jamais, vous me regardez. FromSoft, hein. Ok, il y a rien. Oh, ça sent le boss, ça. Vu comment entrer, là. Oh, les gens qui... les gens qui font croire. Bien sûr. Des deux côtés, même, hein, parce que... On va faire les choses à moitié. Bon, ça pue le boss. Le boss, moi, on tente. Oh, wow, vu le truc, c'est carrément. Little Calva. I'll soon birth thee anew, a sweeting fresh and pure. D'accord. Comment comme ça? Oh, ça mange des livres. Oh. Oh. Wow, d'accord, ok, il y a des gus kamikazes. Sweet time.
suis-je censé faire? Je sais pas. Attends, elle chante l'autre là. Ferme là. Attends, c'est bon. Ouais, ouais, ça va passer. Maintenant, il est pas dans le délustre. Est-ce que... Hein? Ah oui. Allez, un petit coup de cinéma là, pour finir. Ah oh, oui, le petit cinéma là. Ah, c'est Renala, c'est une des grosses bosses qu'il faut éviter. Donc j'imagine qu'elle a... Elle a deux phases, bien sûr. Il me reste qu'une bourrouche sur la première phase. Ça pue un peu ce run là, hein. Pas se mentir, surtout que j'étais court. Arrêtez. Ouais. Ouais, elle prend tellement. Upon my name as Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. Of the last queen of Caria, Renala of the full moon. Oh, c'est beau. Oh. And the majesty of the night she conjureth. Ok, oh, c'est Dembo. Oh, putain. La caméra, ouais. Oh non, t'arrêtes avec... Non. Aïe. Oh, ça fait mal. Bah t'as fini là avec les sorts de merde là. Mais elle a combien de sorts différents? Allez. Et j'ai plus de vie. Je prends un truc, j'y vais. Ah, j'ai plus d'envie. Ouais. Okay. Je quoi? Mais d'où ça me touche ça? Oui, y'a arnaque, hein. Ok. Ah, par contre, y'a... Y'a Jean-Michel là qui nous attend encore, je pense. C'est un mob qui respawn ça. Machin carrial. Comment est-ce que je peux débloquer la raccourci?
Alors attendez, parce qu'il y a une histoire de... Oh, une porte, incroyable, j'ai pas eu. Mais non, il respawn pas, machin, là, il était pas là. Et c'est un mot unique. Okay. Un PQ. Des PQ. Où est-ce que ça va m'emmener ça? Bon, oh, d'accord. Quoi? Oh, pire raccourci ça. Ah, s'il faut passer par. Ouais, non. Non, non, ça c'est le pire endroit. Et jamais je passe par là. Ça m'est intéressant quand même. En quoi c'est plus court en plus? Ouais, t'évites la boule, mais la boule c'est moins pire que. C'est bien moins pire que les deux. Enfin, non, même que les quatre mages. Oh, le fameux raccourci. Enfin, raccourci, je vois si c'est raccourci, mais. En tout cas, ça c'est ouvert. Donc du coup, l'échelle à l'homme. Mon Dieu. C'est quoi cette merde? Il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Ah, il n'y a même plus la boule. Bon, comment ça? Vous savez que moi, des bibliothèques comme ça, là, ça me donne envie de... Oh, taper dessus, là. Mais c'est les bibliothèques vides. Ils sont les murs cachés. Oh, des faux murs. Qu'est-ce que... Meurs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il m'a entendu taper sur les murs, ça.
Ah, y a quand même. Même ce que j'ai buté, il est plus là. Bah, je vais niquer. Attends, vas-y, lock. Merci. Il fait beaucoup plus mal que. Oh non, pas ton tour, lol. Non. Oh. Ce coup-là, quel an. Je me fais bait à chaque fois. Ok, donc c'est de là que vous êtes. Ah, il devait être deux peut-être pour lancer le caillou là. Mais comment qu'il faisait pour lancer le caillou et pas mourir? Encore ce truc de merde. Je sais pas quoi ça. Du tout. Un petit balcon. Ah, et c'est le balcon. Ok, d'accord. Donc full optionnel. Mais ça nous permet de ne plus avoir le la boule. Ok, ok. Qu'avons-nous d'autre? Donc là, on est au-dessus de là, oui. Un popo 5. Ok, bon, let's go. On va retenter le boss. Bon, est-ce que ça vaut le coup d'aller retenter le boss avec ses peu de popo? Oh, c'est jamais hein, dans le loot ça passe. Ok, donc j'ai cru la voir à droite là. Non, c'était une bouillie. Ok, elle est là-bas, elle est tout à gauche. Ou de l'autre côté. Ouais, on l'a vu là. Et là. Oh, aïe, aïe. Oh, je l'ai pas en shot. Il faut 3 à chaque fois, j'ai l'impression que c'est 3 le premier et 2 après. Où est-elle? DPS. Non, ok, donc on peut l'avoir en une fois.
Il fait tellement mal. Ok. J'ai vu aussi qu'il y avait une façon plus simple de... Oula, quoi? Non mais est-ce ça par contre? Le luxe qui sort de nulle part, ça c'est gratuit hein. Est-ce qu'il y a un signe qui montre qu'il y a un bus qui est en train de se reprendre la nuit ou... Mais c'est trop gratuit. Ah c'est peut-être les flammes non? Ah, et là. Ok, là, il lui restait vraiment un seul coup. Ok. Cette chose. En vrai, pour le coup, ouais, non, j'allais dire pour ce boss, le nouveau clip qu'on a eu était peut-être plus intéressant, toi. Mais j'ai oublié que j'avais pas la cible à l'époque. Pour le parti. Alors ça par contre... Heureusement que j'ai beaucoup d'endurance quand même. Oui, je me demandais, tiens d'ailleurs. Lui il pèse 5-8. Ah. Ouais, non, il pèse 8. Est-ce que j'ai pas une meilleure armure? Ouais, il pèse 16. Attends, parce que là j'ai. À 31 et je suis en charge lourde. Ah, si je change 1, 29 et je me mets à ça, je suis à 26. Donc 26 physique. On a 31. Elles sont à 30, je suis en charge lourde quand même. Un truc où je peux être en charge régulière. Non, que lourd. Oh. Non, je peux toujours pas. Hein. On est allé voir un moyen. 26, ou qu'il y a un moyen de.
Sinon, on repart du début. Magie 4-4 quand même. 4-6 magie, incroyable. Vas-y, on va se transformer en... en anti-magie là. Et on va être une mardi hein. S5. On va avoir une combinaison d'équipements incroyable. Et là, le truc, c'est d'avoir la charge moyenne. Magie 5-8 en vrai, pas de mieux. Les jambières de base. 6-2, oh c'est encore mieux ça. HC2, 5. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Oh, 7-3. Ouais mais la physique. Il me faut un peu de physique aussi hein. Écoutez, je pense qu'on va se faire comme ça. Alors notre nouveau style, oh. On est incroyable, oulolo. Donc du coup, ça fait qu'on est... Ah, donc on reste à 26 en physique, par contre on monte à 24. Est-ce que c'est vraiment mieux? Parce que là, 5 quoi. Et 5. Attendez. Si 24, je remets l'ancienne. Excusez-moi, je regarde. Hop. C'était 1. Et c'était 1. J'étais à 26, 22. Ah non, c'est mieux. J'ai plus de protect que magie pour le même physique. Donc en vrai, c'est ok. Mais on est dégueulasse, hein. Là, ça ralentit sa mère. Oh, coco, ouais. Ah non, on va rester avec l'outil. Hein. Bah, ça rame, c'est abusé. Bref. On est... magnifique. Je me demande si les animations sont faites à la main ou s'ils ont en fait, s'ils ont fait de la motion cap. Direct si elles sont bien placées. Ou si elles sont bien placées, ça fait des trucs. Oh là, j'ai des renseignements pour voir.
Ah, j'ai pas réussi. Je manque d'endurance pour te faire battre. Où elle est, Micheline? Merci pour les âmes, c'est pas vrai. Oui, il n'y a pas d'âme, mais... Oh, quoi? Oh, c'est nouveau, ça vient. Troisième, elle est... Oh, c'est quoi ces ralentissements de ouf? Ok, elle est là-bas. Potion en phase 2. Mais j'ai des ralentissements, c'est incroyable. Bon, si on essaye sans bouclier... Oh non, mais arrête de ralentir comme ça, quand même. C'est quoi ce virage qu'elles ont fait là, le. Eh, d'accord, c'est la magie qu'elle a lancée là. Ça fait un demi-tour. C'est abusé, hein. Voilà. Par contre, j'aimerais bien savoir c'est quoi cette merde là qui me fait ralentir. Mais il y a des chances que ce soit mon disque dur de mort. Faut vraiment que j'investisse dans un SSD, j'en peux plus. Chiant. Oh putain, du vide. Donc là oui, j'ai eu un léger pic sur mon disque dur. Pas de pic sur mon CPU ni mon GPU. Donc ça vient a priori de bel et bien de mon HDD. Bon, HDD dégueulasse. Ah, en face. Aïe. C'est bon. Est-ce qu'elle demande ça fait la vie ou pas? Ouais, non. Mais non, je l'ai presque gratté parce que j'ai refait une attaque SP. Juste avant qu'elle reprenne son bouclier. Enfin, pendant qu'elle reprenne son bouclier. Bon, c'est pas grave.
la dernière, elle est où? Là-bas. Ok, donc c'est toujours pas pour, je sais pas pourquoi, tout à l'heure je pensais que c'était la ville 2. Oh, c'est un rat. Mais ah, ah non. Ça se spell là. Oh. Ah non, c'est peut-être ce truc là, là. Un truc de boomerang de mort qui fait des masses dégâts. C'est temporaire. Même si c'est temporaire, c'est pas grave. Il est où? Putain, le mec qui s'en peut plus. Calme, madame. Ah oui, elle peut. Aïe, oh putain. Je arrête de viser, arrête de lock-loop, putain. Alors ça. Il y a une arnaque, je sais pas ce que j'ai. Ok, c'est bon. Souvenir de la reine de la pleine lune. Ok. Where did he flee, my sweetings? Come out from whence ye hide. There are books and light aplenty, dither not. Come out, say I. Or will ye be gravestones, to be better born anew? Ah, thou, is it thy wish to be born anew? To become a sweeting, reborn of my beloved egg? Hmm.
Modifier l'apparence renaissance. La renaissance nécessite une larme larvaire. D'accord, donc c'est pour... Be not alarmed, nor afeared. I would birth thee as a sweeting, fair and fine. Okay, donc ouais, c'est celle de... Kadon. Oh. Petit level up là. Est-ce que j'atteins le cap à 30? Est-ce que j'augmente la vigueur? Est-ce que je monte l'endurance? La force, ça sert à quoi? Mettre la force à 20, premier cap? Non, ça sert à rien. Un point index, un point vigueur? Plus de vie, plus de dégâts. L'endurance pour l'instant c'est ok, hein, pas besoin de plus. Ouais, on va faire ça. On n'avait pas assez de graines là. On n'avait pas de l'arme de vie. Rune majeure, cendre de guerre. Modifier les vêtements, rune majeure, bah, j'ai que ça de Godric. Donc alors attendez, parce que... Oui, on a eu un souvenir. Ça va être dans quoi ? Je joue objet clé. Rune majeure de l'enfant à naître. Permet de perfectionner la renaissance. Rune majeure de Godric. Ah, on l'a direct en rune majeure en plus. Ok. Œuf d'homme couvé de rune majeure. S'il te plaît. Ok, donc on a eu la deuxième rune. Et donc, elle ne compte pas là-dedans. C'est verrouillé. Oh. Ok. Pas l'air d'y avoir de passage secret. Est-ce qu'on va croiser un dieu en jeu? Non. Il y a que des demi-dieux, mais. Intéressant.
Est-ce qu'on a vraiment tout vu ici? C'est pas hein. Ok. Donc rien à faire là. Et donc je vais demander elle là. Comment on fait pour accéder au menu rapide? Ouais, ça va être effectivement plus rapide. Après, on est d'accord que de ce côté-là, on peut pas monter à la tour. Hein. Ok, bon. Est-ce qu'on a tout fait dans le château? Oh, j'ai 12 cas. Comment ça j'ai 12 cas? C'est la reste de mon level up là. Comme ça on l'a fait ici. Ça m'a fait. Okay. Ouais, ça on s'en prend péter un câble d'image. Hein.
Ouais, pas l'air d'y avoir de... d'autres passages secrets. Hein. Donc il y a, on a le TP qu'on avait tout à l'heure à Tess, voir où il mène. Là en face, là-bas, je crois qu'on a tout fait sur les bois, pas sûr par contre. Je suis célèbre. Excusez-moi, je suis comme ça, Ah mais... Ah... Ça, je m'en souviens plus, par contre. Quoique, c'est pas... comment qu'on accède là? On se laisse tomber, non? C'est un passage, je sais pas où. Bon, si on se laisse tomber, on va devoir buter les... Elle a découvert la porte. Aide. Ah non, et voilà. Ouais, non, c'est de la merde, ça, faut que j'enlève. Ça. Et ça aussi. Ah, peut-être pour PC, hein. Je pense que c'est pour les touches PC. Un truc que j'utilise pas. Ok. Et voilà.
Oui. Ah ouais, c'est 15K maintenant. TP. C'est vrai, j'ai pas activé l'effigie. Il y avait une effigie à côté du boss, probablement. Les effigies, j'y pense pas. Hein. Pas l'aspect mécanique qui est encore rentré. Hein. Ok, alors ce TP. Où va-t-il ? Et voilà. Bon. Mais. On l'a déjà découvert ça. Mais bizarre comme choix. Greetings. Do you need anything? Laissons étudier les incantations, donner un parchemin à donner à propos du miracle, à propos de Radagon. You know, it's said that Lord Radagon harbored a secret. A famous sculptor of the Erdtree capital was once summoned to render Lord Radagon when he glimpsed the skeleton in Radagon's closet. And as such, it's said the great statue harbors. C'est vrai qu'il y a un aspect de secret à propos de Radagon. Bon, maf. En tout cas, on vient de battre le deuxième boss du jeu. Donc, deux boss sur quatre. Il a été vite hein, celui-là. Il a été rapide. Ok, donc où va-t-on maintenant? Allons là, tiens. Enfin, s'il n'y a pas de nouveau. You appear to be doing well. Very good. Well then. Discuter. There's something I should mention to you as well. I'm thinking of leaving the Round Table Hold. Do you know of the noble Gold Mask? Though he was but a tarnished, living outside the lands between, he was a great scholar who foresaw the coming guidance of grace. And now, I hear he has come to the lands between alone. To contemplate the Golden Order, I wish nothing more than to seek his instruction, and perhaps even help him in his research. Donnez-moi un brevet sanctuaire. That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Erdtree. Very well. I'll take it off your hands. May the Golden Order shine through you. Ou je sais pas ce qu'il a fait, ou en tout cas. Qui c'est lui? Il me dit rien. I don't believe we've met. I'm known as D. I hunt down those who live in death and weed their death root. Heed my warning. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner among their number.
Unless you wish to lay down your life in vain. Well, well. With a prowess for weed and deathroot. How would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to haunt more of those who live in death and weed their deathroot, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Very well. Show me your map. I've marked the location for you, of a hidden gateway. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Okay, stay. What is it? Still milling about? The map indicates where the gateway is hidden. It will lead you to Garank, the beast clergyman. D'accord, très bien. Et lui, c'est... Ah oui, c'est... Ah, you again, is it? The recusants sent a lackey. Can you believe they invited me to join them? Now, after what they did? I can scarcely believe it myself. Did they think me a fool? You might be surprised to learn I took them up on the offer. Then I only had to ask. The location of the recusant hideout. It's on Mount Gelmir, found off the old road that leads west from the town of Windmills. That's where they hide. The manor on the peak. Just you wait, wretched recusants. You'll rue the day you insulted my name by laying hands on Lanya. The tale of House Hoslow is told in blood, after all. It's on Mount Gelmir, found off the old road that leads west from the town of Windmills. West. That's where they hide. The manor on the peak. Just you wait, wretched recusants. The tale of House Hoslow... À l'ouest, Donc oui, à l'ouest d'un manoir, bah on l'a pas hein, sur la carte encore, j'imagine que c'était peut-être ça là. Ok, alors attendez. Voilà, on va mettre... Ok. Du coup, cette arme rouge, ah là-bas. T'as des téléportations. Further study of incantation. I can happily spare the time. Et lui, il a dit qu'il allait partir dans l'entre-terre. Ok, allons voir le mage. Toujours là. Ah non, c'est pas ça. La vieille. Et toujours là. Ah, hello. I was hoping to see you. My examination is complete. Here's the knife print back, with my thanks. Oh. Now I have a fairly good idea who performed the rite upon the blade.
the person who orchestrated the Night of the Black Knives, Luna Princess Rani, one of the children born to King Consort Radagon and his first wife, Ronala, demigod and sister to General Radahn and Praetor Rykard. Hers was the name I discovered in the imprint. Truly, you have my thanks. But if I might be so bold, I would like to ask something more of you. If Rani truly is the one who plotted that fateful night, then she should bear the curse mark of destined death somewhere upon her flesh. I would like you to procure it for me. And then all will be laid bare. I will have the answers I've sought for so long. I have some idea of Rani's potential whereabouts. To the north of the Academy of Rhea Lucaria. It is the familial home of the Carian royals from whom Rani descends. There's been talk of the old royals' vassals gathering there in recent years. Rani's whereabouts since the shattering are a well-kept secret. She hasn't been seen even once, but I suspect she might have returned to the manor in which she was born. Ah, so you've met Dee. Dee is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Dee was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person. And if they were like you, all the better. I'm afraid there's something I must tell you. Do you know of those who live in death? The very notion of life in death defies the Golden Order. By Dee's account, these defiled fiends must be expunged. But truth be told, I seek the curse mark to save them. You may find this peculiar, but I discovered something in my examination of the Knight of the Black Knives. These souls have committed no offense. They have every right to life, only they happen to touch upon a flaw in the order. Yes, indeed. If Dee knew what drives me now, he would surely boil over with rage, or perhaps he would even feel some pity. But no need to fret. None of that will come to pass. I can tell a good lie when I need to. If Luna Princess Rani truly is the one who plotted that fateful night, then she should bear the curse mark of destined death somewhere upon her flesh. Would you be willing to procure it for me? She may have returned to the manor that is her home, the royal Carian residence to the north of the Academy of Rhea Lucaria. Au nord de l'Académie. Ok, donc c'est encore plus au nord. Ok, nice. Mais les quêtes continuent avec les PNJ, c'est plutôt cool, j'aime beaucoup. Après, il y a masse de PNJ qui vont crever, je vais pas savoir pourquoi, parce que ils ont fait leur quête, mais... What is it? Still milling about. The map indicated will lead you to Garank. Ok, donc on ne peut pas balancer à Dee ce que son pote m'annonce. Ouh, elle est toujours vivante, quand même. Greetings. Are you here for spirit tuning? Ok, c'est marrant parce que sa quête a l'air finie. Et un nouveau. I am pleased to see you again. Would you like me to? The blessing is still a flame in your breast, dear. Would you like to be held? Now. Ok, est-ce qu'on va pouvoir murmurer encore? You are so. C'est Luke. My dear, have you ever heard of Black Knife Prince? Dear Roger likes to talk of them when abed, and the ancient plot in which the first of the demigods was slain. The black knives wielded by the assassins who committed the act, along with the impressions they made, somehow hide the truth of the conspiracy.
These grand affairs are hardly my forte. But dear Roger began to weep as he spoke. In truth, I've heard tell from someone else about the Black Knife Prince that fascinate dear Roger so. Livre de coton noir. Indice. But it wouldn't be right to give this to him, stuck as he is in the Round Table Hold. Perhaps you could make use of it? I heard that you lent a hand to dear Roger. He seemed positively elated. He must be possessed of great mental fortitude. It anchors his will and sustains him, despite his grievous wounds. You truly are a champion to dear Roger and myself too. Then good day to you, my dear. Ok, elle avait beaucoup de choses à dire. Petite branche sacrificielle là. Bon plaisir. Ah oui, et donc du coup. D'abord, cet objet est perdu à la place de vos runes. Ah, intéressant. Et concernant l'emplacement d'un glyphe de couteau noir, attends. Sans doute, le sonateur combattu lui aussi l'unique moyen de pénétrer dans l'académie. Une clé de pierre d'éclat. Ah ouais, il y avait tout ça. Oui, bon, moi j'explore à l'ancienne. Mais ça là. Ça ressemble vachement à ça. Hein. Voilà, coupe des couteaux noirs. Oui, bah non, c'est là, c'est obligé. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Ok, est-ce que parmi mes et celle-là, pure de sa miraculeuse, la troisième église de Miraca au nord des bois brumeux. Ok, bon, le rôde dans le nord, les relais en avec un rôde dans l'un des relais en ruine. Quelqu'un. Ok. Well, where have you been hiding? I took you for dead. No matter, it's all the same. Lay out your arms then. Ouais, je peux le GP de allez. Ok. Pourquoi utiliser des runes, hein? Un problème d'ailleurs.
Ouais. Ok, je sais pas si c'était utile, mais... Well, I see you found another great rune. Wonderful. You are a worthy fellow tarnished indeed. Make the journey to the capital, Lendel. That lies to the east of the Altus Plateau, at the foot of the Erd Tree. The Two Fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring, for we are tarnished. And we must answer the call of grace. The Academy of Rhea Lucaria lies to Limgrave's north. Renala is queen of the Carian royals, and her great... Ok. Pensez à un truc. Ouais, est-ce que la vieille nous parle encore? I had my doubts, but my look at you. Only once before have I seen two great runes together. Look there! The fingers shudder with exuberance. Fine work, brave tarnished. The greater will is pleased. You have earned the right to become Elden Lord. Now, seek the Erd Tree and an audience with Queen Marika. To become Elden Lord and restore the Golden Order. The Fingers expect as much from you as they do young Gideon. Take this, a token of farewell. Now, go forth. Become Elden Lord. Ouais, mais attends. Donc, on peut terminer le jeu, on est en fait à la moitié. Le truc, quand même. Ouais, donc en vrai, ils ont raison. Hein. Ouh, incroyable, tristement plus. Donc, la puissance sur celle-là, il améliore les cris. Ou critique. Pression des PV, pression des PC, enfin, la puissance des attaques successives. Intéressant. Dégâts de chute. Attaque au roi, la porte de l'avance. Ok. Bon, les contre-attaques tout court. Donc le bordel des affaires, attaque, on s'en fout. Roi de la vitalité, améliorer la résistance, résistance. Continue. Et que pour max. Ah mais on perd. On passe en charge lourde avec un talisman, allez là. On va reprendre le Viarc. Hein. Ok. D'accord. Attendez,
J'aimerais aller revoir un PNJ. Il s'est trouvé où par contre lui? Ah voilà, dernier refuge de bouffe. Elle est toujours là ou pas? Oui. I told the all-hearing brute already that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Alors ce PNJ là, je sais pas ce qu'il lui faut, mais ouais, on a toujours pas trop ce qui Amazon. Ok, et celui-là il est toujours là. Oui, toujours là. There you are. Decided to bear the torch of my battle hearts. Not floating your boat. Well, there's no rut. Ok, donc lui c'est juste pour ok. Il a fait d'autres PNJ quelque part. Bien plus. On va voir. Hein. Relancer. Câble de relancer. Ok. Mais là, je peux pas, là. Je peux pas y aller. Tour de pierre d'éclat. Ah, pardon. Ah, oui, il y a une grotte avec. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. Il y a un boss, tiens, on va essayer. On va voir. Incroyable. Qu'est-ce qu'il vend lui? Ah, not everyone can tell how good my wares are. Non, il en a plus, il n'y en a plus rien. Ok, il n'y en a plus rien d'intéressant. Ok, hop là. Oh, attendez, parce que là il y a une statue de Marika, mais est-ce que ça va... Est-ce que ça va l'activer? Ok, voyons voir ce qui se cache. Adan, le voleur de feu. Oh, un pyro. Ok, en tout cas il a pas de vie. Je peux pas le backstab. Ok, je vois. Oh, il a pris son arme à deux mains, attention. Je peux le coup.
Ouais, il y a du robot. Oh, par contre, il fait mal. Ok. C'était pas fait de coup encore. Il fait mal, effectivement. Ok, on va se montrer un peu plus agressif, je pense. Plus agressif, mais merci le lag, hein. Vraiment, qu'est-ce que ça, c'est mon disque dur, par contre. Mais oh, j'en peux plus, mais qu'est-ce qu'il lui prend de charger, qu'est-ce qu'il charge en fait. Les sorts, ils... Je sais pas. Ok, voilà. Oh, par contre, les ralentissements là. Cruel. Toutes les deux cruelles. Ok. Mais c'est vrai que ces catacombes-là, on ne les a pas finis. Là, il y a un TP. Ok. Allez, on va continuer là. Nouveau continent. Ah oui, gros continent. Oh là là. Ah ouais, c'est huge.
Putain, il y a encore un château. Ah mais là, voilà le manoir. Le fameux manoir. Attendez, parce qu'il y a... Oui, parce qu'il y a l'histoire là, il y a deux PNJ qui veulent aller dans un manoir à l'ouest. Ça c'est nord, c'est pas ouest. Ou là quoi, il y a un manoir aussi quelque part là. J'ai des ralentissements dans le menu. Bizarre quand même. Ouais, une mise à jour qui ont plus foutu la map que tu veux. C'est bizarre. Il est apparu d'une façon assez bizarre. Une statuette de Marika ici. Comment ça? Comment ça? Ça voudrait dire qu'il y aurait un. Oh, et... Quelle est cette hérésie de se TP maintenant?
Ok. D'accord. Drôle de village quand même. Pourquoi ça ralentit? Ok. Attendez, il va bien y avoir un truc dans ce village, c'est bizarre. Avoir quelque chose de spécial. Oh non. Ok, donc c'est juste une petite zone avec, avec des masques STP et des pièges. Non. Est-ce qu'on peut aller sur ce pont? Probablement. J'ai probablement loupé des zones hein, dans le château.
Oh, les dégâts. Oh. Ok. Voilà. Ah oui, il y a une charrette qui passe. Petite escorte en plus. J'ai tellement la foule malchance quoi. Ah, j'ai les one shot plus, ouais. Ok, bon, je les suis pour éviter qu'ils viennent m'emmerder sur les... mettre les deux là-bas. Ils ont même pas donné de potions. Ok, d'accord. En des mémoires, le premier est simple, le deuxième est déjà un peu plus chiant. C'est la caméra. Je... Ah oui, ouais. Ouais, il sort de finir de façon classe, quoi. Il donne pas de popo. La tristesse. Ouh. Épée de chevalier Caria, c'est le mec qu'on a vu tout à l'heure. Il va falloir de l'intelligence pour l'avoir. Mais elle est belle, hein. Ouais, 28 de fois. Oh non, l'intelligence. Oh, elle est belle.
Magnifique. Ah, il est là. Ah. Ok. Bon, c'est un double campement. Moi là-bas, je suis juste venu chercher un magicien. La por- non mais la portée du machin. C'est une blague, MC.
Non, c'est là-bas. J'étais un feu. Oh, t'es bizarre, un feu aussi près de... Qu'est-ce que c'est là? C'est là, il y a un trou. Je m'embrouille. Okay. Ça s'est très bien passé. Chaos sanguin. Ok. Yes. Oh, c'est la mort, ça.
Et... Et il respawn. Il y a du monde là. C'est un géant invoqué ça. C'est un géant de sang, non ? À plein. Ah, ils sont agressifs. Oh, ils font de la magie. Ils ont pas de point faible. Oh.
épée de chevalier troll. Alors ça va rendre. Ça va être magie aussi, parce qu'on est dans une zone magie, donc c'est full, full magie là. Bah ouais. Bon, elle est belle aussi, hein. Cool. Attendez, on va sur le deuxième alors si c'est dans des trucs plus de phénique. Ouais non ça c'est marré, mais on reconnaît. Ok d'accord, bon on en a deux. Ah, c'est de grâce. Ok, nice. Est-ce qu'on peut level up? Oh oui, peut-être level up pour la fin. Somme de vigueur, hop là. Eh bien, parfait. Ça aura été 2h30. De jeu, on continue d'explorer, c'est cool. Ben moi, je vous dis à la prochaine.